watch a digital dog fucking fight tonight. Là, je te trouve un peu trop en forme. tu vas te faire défoncer un petit peu. Bangkok. L'idée brutale est venue d'une envie commune avec mon co-scénariste et ami Pierre-Marie Mosconi, ici présent, de vouloir rendre hommage au cinéma de Hong Kong des années 70, en gros à tous les films de Bruce Lee qui ont bercé notre enfance, enfin bercé, on s'entend bien, et de vouloir essayer de recréer ce type d'histoire, mais dans une facture et dans un environnement contemporain. Et c'est là que la rencontre avec David Bell a été primordiale, parce qu'elle s'est faite, moi, sur B13, et on est resté amis depuis le B13. Et là, l'idée, c'était de pouvoir le sortir, en fait, de ce créneau parcours et de l'amener dans un autre créneau, qui est le film d'action et de combat. Combat qu'il a déjà pratiqué dans ses longs métrages, mais il n'y avait pas eu encore une série avec David Bell autour du combat, notamment du combat clandestin. Et c'est en ça où cette série est vraiment originale, la présence de David amène cette originalité, mais on n'a pas pu s'empêcher de faire quand même un clin d'œil à parcours. Donc, évidemment que dans la série, vous allez retrouver une course-poursuite entre Charles Perrière, qui est d'ailleurs dialoguiste avec nous sur la série et co-scénariste, et David Bell, que vous avez pu voir dans Banlieue 13. Et donc pour la première fois, on a réuni les deux dans cette série. Je vous invite à pouvoir découvrir qui est le plus rapide des deux, entre le chat et la souris. Alors là, on vient de finir les repérages dans Saphan Thaksin, un des quartiers de Bangkok. Ça sera le plus gros de la course-poursuite, donc on est prêt là. Soit alors on joue la mort, soit on les fait sortir d'ici. La course-poursuite, ça a été l'arrache. Ça a été l'arrache, on était vraiment en commando, une mini-équipe. On a traversé Bangkok, on a fait je sais pas combien de quartiers. C'est vrai qu'elle est assez sauvage cette course-poursuite. Elle est assez sauvage et je la voulais comme ça. Mais il y a eu de super accidents en fait. Voilà, ce qui arrive très souvent quand on tourne vite et qu'on a ce type de séquence là, et il y a eu de super accidents, je pense particulièrement au bateau, au moment où David monte sur le bateau. On a eu cette idée là à dernière minute de finalement le faire monter sur le bateau qui était presque en route. C'est un truc qui prend normalement un petit peu de temps à caler, et puis là on a fait une prise, c'était la bonne, c'était assez sympa. Ça tabasse. Ça tabasse. Pour moi c'était un kiff de retrouver mon pote David Bell sur ce projet. Ça faisait longtemps qu'on voulait bosser ensemble à l'écran, que ce soit sur le petit ou le grand. Donc voilà, c'est fait. On a à certains moments improvisé des choses, mais ça le faisait parce qu'on se connaît depuis longtemps et on arrive à se lire. Donc pour nous, c'était facile, quoi, c'était évident. Et je pense que c'est le début idem d'une grande aventure. Thank you.
4B sur 13, 12e. Pour David Bell, pour ses entraînements, en fait, on est en plein milieu, là, on est dans la salle. Donc c'est la salle là où il s'entraîne du matin jusqu'au soir. Donc le matin, en fait, on répète les chorégraphies, on y va tranquillement, il l'est en mémoire. Et ensuite, à la fin, en fait, on fait du sparring pour qu'il soit, en fait, qu'il puisse supporter d'une part la chaleur et puis la pression, en fait, conditions de tournage. Et là, on est au bout de la troisième semaine. Il y a eu du gros progrès, quoi. Niveau cardio, niveau physique, conditions, là, je pense qu'il est prêt pour tourner. Là où j'ai été content, c'est qu'Alain Figards et Laurent Domianoff, en fait, m'ont appelé pour ce projet-là. J'avais travaillé avec eux il y a 10 ans de ça. Et là, aujourd'hui, je me retrouve à retravailler avec eux. Donc, je suis vraiment content de bosser sur ce projet. Et ce qui me plaît aussi, c'est tous les combats qu'il y a. En tout, on est à peu près 9 à 10 combats. Et tous ces combats sont différents. Et c'est un travail d'équipe, quoi. C'est un travail d'équipe. Donc, je pense qu'à la fin, on va sortir un bon petit projet. Ça va être une bonne télésérie. Ah, moi, ce que j'ai dans la tête, ça, tu sais, ce que dans la tête, ça marche toujours en one shot, hein. Il n'y a pas de problème. Ah.